16, 17 ans, elles se servaient de préservatifs et elles les donnaient à leurs filles. Et là, j'ai parlé à mes amis, j'ai dit voilà, là on est avec des gens qui sont des progressistes, je suis sûr qu'à Neuilly, ça ne se passerait pas comme ça. Je me souviens que tu avais dit ça quand tu as fait une très très belle intervention, une très très belle communication au colloque que nous avions organisé le 22 mai dernier à Fabien. Et ce qui est intéressant, ta voix, une fois, voilà, plus fait autorité, je crois. C'est pas non autoritaire, mais c'est vrai que dès qu'on parle avec des communistes, on n'est plus dans le sujet « Mais pourquoi vous avez choisi de devenir des femmes ?» etc. On a des gens qui perçoivent qu'ils ont en face une collectivité, qu'ils ont un groupe, que c'est une question sociale. Et c'est tout c'est ça dont on veut parler. C'est pourquoi il y a tant de trans au chômage, pourquoi il y a tant de trans qui n'ont pas accès au monde du travail, pourquoi il y a tant de trans qui vont être plus ou moins éjectés du système scolaire. Et avec des communistes, on peut parler évidemment de ça, même si moi, au fond de mon cœur, je suis profondément anard. Mais il faut savoir faire des alliances de temps en temps. Voilà. Tu as jamais dit quand même à la radio, quand tu animais ces belles émissions de France Culture, que tu étais profondément anard, hein? Tu sais que j'ai un dossier sur toi. J'espère bien. 1m50 le dossier, hein. Dis-moi, t'es opéré. Voilà, attends, fais voir. Et Maxence, c'est toujours avec. Est-ce qu'elle a grossi depuis un peu ou pas? Ça m'étonne pas de te trouver là-dedans, toi. Est-ce que t'en crois? Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? T'es les bons beaux. Mais non, je suis là, moi. T'essaies de... Thank you.
See ya.